Ce qu'il faut retenir, donc le 30 mars à 20h, tu vas pouvoir voir, tu vas pouvoir acheter tes billets pour les 10 ans. À 21h20, tu vas pouvoir voir l'édition inédite numéro 9. Hein. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans 20 minutes? Vous pouvez acheter vos places pour la 10e édition des duos impossibles de Ferrari qui auront lieu au Grand Rex. Au Grand Rex, oh, c'est l'émotion. Le 7 mai 2024, c'est dans 20 minutes, 20h. Oh là là, j'aimerais pas être à votre place, il y aura tellement de déçus. Tellement de gens qui vont dire, vous avez vu une blague, mais c'est rapide. Voilà. Et moi, j'attends Artus. Parce qu'Artus, il m'a dit, et si on regardait les duos impossibles de Ferrari ce soir à 21h20 sur C8 ensemble dans ta maison? J'ai dit, mais viens, viens dans ma maison. J'ai une télévision. Viens dans ma maison, Artus. Donc là, j'attends Artus. Bon, alors, on s'attendait à vendre beaucoup. Et vite, mais pas là. En fait, là, vous avez acheté, en gros, on a partagé les places entre nous et la FNAC. Vous avez acheté tous les billets de la FNAC en 3 minutes. Et nous, notre site a planté. Donc, soyez patients, on est dessus. On travaille pour le rétablir. Vous avez acheté toutes les places en quelques minutes. On ne pensait pas à ce point. Donc voilà, le site va revenir, donc arrêtez de m'écrire pour me dire « le site a sauté », ça ne sert à rien, on est dessus, ça va revenir. Continuez à essayer de vous connecter de temps en temps, faites des pauses là, que le serveur retrouve de la respiration, et ça va revenir. Les gens, je sais que le site ne marche pas, arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire que le site ne marche pas, j'ai vu que le site ne marchait pas, on est tous dessus. Le problème, c'est que vous avez été plus de 60 000 à vous connecter en même temps, hier à 20h pour acheter des places et que notre serveur a littéralement implosé. Vous avez fait imploser le serveur. Donc ça a remarché un peu dans la nuit parce que ça s'est calmé un petit peu. Mais en fait, depuis hier 19h, vous êtes en permanence autour de 60 000 sur le site à ne faire que rafraîchir les pages comme ça. Vous rafraîchissez tout le temps, 60 000. Donc le site n'arrive pas, il est... Alors, on est dessus, mais arrêtez d'aller sur le site, ça ne sert à rien, je vous dirai dès qu'il remarche, je vous le dirai. Calmez-vous les gens, calmez-vous. Bon, c'est bon les gens, ça remarche, vous pouvez y aller. Nous avons installé un système de file d'attente. Donc la bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, on a pu résoudre ce petit problème qui donc n'arrivera plus. Maintenant, vous aurez un site qui marche, vous n'aurez toujours pas de place parce que vous serez en file d'attente, mais le site ne buggera pas. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, donc là, vous pouvez acheter. Enfin, essayez d'acheter. Alors, je vous remets un lien, là. C'est les 200 places qu'on avait réservées au Grand Rex. Du coup, là, qui les mettent en vente parce que vous devenez hystérique. Donc là, c'est le site du Grand Rex. Il y a encore 200, 250 places à vendre. Donc là, c'est les dernières. Là, il y a une file d'attente sur le site. Pour le mien, c'est les dernières. Et après, là, je reçois beaucoup de messages qui me disent « très déçu, j'ai passé la nuit ». Eh, vous avez arrêté de m'engueuler, hein. Eh oh, ouais, Beyoncé, tu crois qu'elle lit les DM des gens qui n'ont pas eu de place au Stade de France? Vous arrêtez de m'engueuler, hein. Eh, moi, je me suis pas réveillé ce matin en me disant, je vais niquer la nuit de Martine. Moi, je mets, qu'est-ce que j'y peux? On met 2300 places en 60 000. Je suis allé sonner à vos portes, moi, de 60 000 en disant, mettez-vous tous en même temps sur le site internet. Vous arrêtez de m'engueuler, hein. C'est pas ma faute, moi. Hein. Voilà. Donc là, il y a 200 places. Donc allez chercher. Et m'engueulez pas parce que vous n'avez pas eu de billets, hein. Profitez-en pour réserver pour Bercy, dépêchez-vous aussi parce qu'il reste 5 places, je crois. Bon, les amis, sans surprise, hein, c'est complet. Donc, pour faire un petit point, vous avez acheté en gros les 900 places de la FNAC en... On n'est pas trop sûr, mais c'est entre 3 et 6 minutes. Vous avez acheté toutes les places au Grand Rex, 300 billets en 1 minute. Et sur notre site, vous avez tenu 60 000 connexions pendant plus de 24 heures. Ce qui fait que on a mis à peu près 24 heures à vous vendre des places parce que le site ramait. Donc là, on a vraiment explosé les compteurs. Donc ne soyez pas déçus pour ceux qui n'ont pas eu de place. Parce que... non, je ne sais pas pourquoi vous ne soyez pas déçus. C'est vrai que c'est déceptif. Non, je comprends que vous soyez déçus.
Donc il faudra faire encore plus vite la prochaine fois. Bon. Voilà les copains. Merci pour les audiences d'hier. Merci de vous être connectés à autant de monde, parce que même si ça nous a fait faire une nuit blanche, parce que nous non plus on n'a pas dormi, hein, y a pas que vous qui avez pas dormi. Bon, c'est quand même incroyable de voir qu'il y avait quand même 60 000 personnes, donc x2 certainement, même si j'ai beaucoup de gens dans mon public qui sont des gens très seuls. Ça veut certainement dire que vous étiez prêts à acheter quand même 100 000 billets en une nuit pour voir les duos Impossible 10. On n'aurait jamais cru ça il y a 10 ans. Alors merci et rendez-vous très bientôt pour d'autres surprises où j'en suis sûr vous allez faire exploser les compteurs de vente, parce que on vous réserve des très très chouettes trucs dans pas longtemps.